amis, comme nous vous avons promis, alors nous y sommes aussi. Alors, vous allez nous excuser parce qu'on a parlé des 17h30. On a commencé un petit peu en retard de 12 minutes. Vous voyez, nous vous aimons tellement et puis nous sommes vos esclaves, nous sommes vos serviteurs. Parce qu'un serviteur de Dieu doit s'humilier à la parole. Et il ne peut pas se faire important parce qu'il est en train de servir son Seigneur. Et les enfants de son Seigneur, de son Maître, de son Créateur, il est comme leur serviteur. Comme Eliezer faisait le rôle d'aller chercher Rebecca pour Isaac, le fils d'Abraham, c'est la même chose avec nous. Vous voyez, donc cela veut dire si vous, vous aimez Christ, si vous, vous aimez Dieu, vous aimez sa parole, vous vous abandonnez à lui, vous vous humiliez à lui, nous sommes là comme vos instruments. Donc il n'y a rien en nous en qui nous pouvons nous glorifier avec. Voilà, nous allons lire sur les Saintes Écritures en commençant de Luc chapitre 16 que nous avons lu autrement. Nous allons continuer avec ça parce qu'ils sont en train de parler sur des choses profondes comme nous vous avons promis. Et voilà, nous sommes là en lisant sur Luc chapitre 16. Nous allons commencer au verset 19 et nous allons prendre des pierres, un pierre ou deux pierres. Je pense que je ne m'abuse pas. Ça est là-bas. Et nous allons lire rapidement pour la gloire de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Alléluia. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché et à sa porte, couvert d'ulcères. 21. Et désireux de se rassasier. Amen. Amen. Et d'ulcères. Sorry, je m'excuse. Et désireux de se rassasier de miettes qui tombent de la table du riche et même, alléluia, même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Voilà, il y a un peu flou ici. Le pauvre mourait et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham et le riche mourut aussi. Et il fit enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et... Ah, vous allez m'excuser, hein, parce que j'aime bien faire la lecture. Je vais recommencer le verset 22. Voilà. Le pauvre mourut. Et il fit porter par les anges. Dans le sein d'Abraham, le riche mourut aussi. Et il fit enseveli. 23. Dans le séjour des morts, Amen, il s'éleva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoyez Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu le bien pendant la vie, ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi qui souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous, voilà ce que nous avons vraiment besoin, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Et le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils l'air atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, mon père Abraham, mais si quelqu'un
des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscite. Voilà, nous avons lu ici Luc chapitre 16 et nous avons commencé au verset 19 jusqu'au verset 31. Et nous avons préparé pour vous 1 Pierre chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 22. Nous allons lire ça rapidement. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux âmes en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Amen. Alléluia. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. 21. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Voilà, nous sommes bel et bien là, comme nous vous avons promis, que nous serons le soir ensemble avec vous et nous y sommes présents pour parler de la vie. Vous voyez, il n'y a rien qui nous reste dans ce monde. Le temps est tellement paix, c'est pourquoi nous avons pris ces écritures qui parlent de l'histoire de Lazare, le pauvre, et du riche, qui était tellement riche qu'il se vêtit du pourpre et du lin. Cela veut dire, il ne se vêtit pas comme n'importe qui. Cela veut dire, il était un homme très riche. Et nous avons vu Lazare qui était un pauvre, mais qui croyait en Dieu. Alors, il ne savait comment vivre. Alors, il allait souvent chez les riches là-bas pour chercher les miettes qui tombaient de sa table. Même ses chiens venaient léger sur l'œuvre, ainsi de suite. Et nous avons vu ce que le Seigneur avait fait après sa mort sur ce que nous sommes en train de parler. C'est ce que nous venons de lire ici. Mais retournons sur l'origine, comme nous avons dit que nous allons parler sur l'origine de l'homme. Parce qu'on est en train de parler sur les dimensions et ses conséquences. Vous comprenez? Les conséquences transitionnelles de toutes ces dimensions que vous voyez ici. Vous voyez, donc cela veut dire du 5e, 3e, 2e et 1er. Par l'entremise de la 4e dimension qui est les ondes qui permettent chaque voyage. Mais nous avons compris que non, en parlant de cela, il fallait que nous puissions parler de l'origine et l'homme puisse comprendre la conséquence de sa chute et son origine. Il était comment, sa personne, au fait, dans ses corps était comment, dans son esprit était comment et son âme était dans quel état avant la chute. Vous comprenez donc son origine, il était comment, l'homme que nous sommes. Vous voyez, et nous allons parler sur sa restauration si le temps nous permettra. Si le temps ne nous permettra pas, nous allons parler de ça le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Parce qu'en parlant sur la restauration, que nous allons plonger profondément ici et terminer ici. Si vous comprenez, pour gagner un peu de temps, l'origine de l'homme, nous ne parlons pas de l'origine du monde. Vous voyez, parce que nous allons aussi parler de l'origine du monde, mais on parle de l'origine de l'homme. Parce que quand Dieu créa, parce que vous savez, dans nos enseignements, on avait parlé de cela à chaque fois et plusieurs fois. Quand Dieu créa dans les jardins d'Éden, ce n'était pas la création. Quand Dieu forma, c'était ça dans les jardins d'Éden. Mais la création, c'est dans Genèse chapitre 1er. Et la formation, c'est dans Genèse chapitre 2. Alors, ceux qui ont de livres comme de livres de 100 livres, cela veut dire la Bible, qui sont en train de parler, c'est ces livres sacrés. Vous allez voir comme Scofield, il a bien écrit la formation, vous comprenez,
du monde ou de l'homme, et puis de l'autre côté, il a écrit la création. Vous voyez, donc dans d'autres versions, il y a un peu de méli-mélo, c'est ce qui embrouille beaucoup de gens, mais ceux qui ont reçu la connaissance du jour, ceux qui ont reconnu Christ dans sa venue aujourd'hui, cela veut dire qu'ils ont la révélation du jour, parce que Dieu envoie dans chaque âge, dans chaque génération, dans chaque temps, un ange, un prophète, comme nous avons entendu, le père Abraham répondit au jeune homme, à ces riches-là, que non, ils ont Moïse et les prophètes. C'est là que nous retournons toujours à ce que nous vous rappelons. Nous rappelons, sur Amos 3, 6 à 7, que l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait en sorte que non, nous avons vu que non, la révélation du jour, parce que nous avons un ange que le Seigneur nous en a envoyé, parce que tous les anges, ils auront les yeux fixés sur l'étoile de Dieu, parce que vous êtes des étoiles aussi. Et l'ange qui est descendu, et c'est cet ange qui est venu avec la révélation du Christ, et quand les gens ont eu, vous comprenez, les pensées, les raisonnements sur ce corps de chair, ils se sont perdus. Voilà. Alors qu'on n'a pas les yeux sur l'homme, mais on devait regarder sur les Écritures, si c'est ce qu'il a dit. C'est ce qui a égaré le Juif autrefois, parce qu'il regardait le corps. Jésus dit que non, Messie, c'est un Dieu. Selon la signification biblique, cela veut dire, quand on parle du Messie, Messie, c'est Dieu, en fait. Vous comprenez ça? Donc, Messie, c'est un objet d'adoration, parce que Messie, cela veut dire Dieu s'est fait chair. Vous comprenez? Dieu, donc cela veut dire c'est l'apparition de Dieu au milieu du temps, au milieu des gens. Alors nous avons vu que dans Genèse chapitre 1, quand Dieu créa, après avoir tout créé, voilà, donc cela veut dire Dieu a commencé sa création dans le ciel, les anges et tout, ouais, et puis Dieu a créé l'homme. Et quand Dieu créa l'homme, vous connaissez très bien cette grande forte déclaration, c'était quoi? Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et cet homme-là, c'est l'âme. Si vous comprenez. Et nous allons tout préciser en avançant. Et quand Dieu créa cette âme de l'homme, voilà, son fils et l'esprit de son fils qui était dans cette âme-là, c'était l'esprit de Dieu lui-même. Vous comprenez? Et nous avons vu que Dieu, quand il créa l'homme, il lui a créé l'homme et femme, comme la Bible le dit. Cela veut dire la partie féminine qui est la femme se trouvait dans l'homme. Ouais, elle n'était pas quittée l'homme, comme le Seigneur parle dans Matthieu chapitre 19, quand on lui a posé la question à ce qui concerne de répudier une femme que Moïse nous a prescrit une lettre de divorce, il leur a dit clairement que au commencement, il n'en était pas ainsi parce qu'il n'y avait qu'une seule femme qui était sortie d'un seul homme qui Adam. Ouais, donc c'était à cause de l'incrédulité. Et maintenant, quand nous nous retournons ici, nous avons vu que non, cet homme-là, qui était en même temps mâle et femelle, ici créé dans l'image de Dieu, dans la ressemblance de Dieu, vous comprenez donc, cela veut dire qu'il était comme un ange. Il était comme Dieu. Cela veut dire que non, il n'avait pas de sexe, ouais, ou du genre. Cela veut dire ou féminin ou masculin. Voilà, c'est comme ça que est Dieu. Voilà, c'est pourquoi, pour mettre un peu, prendre un exemple. Voilà. Donc, Frère Branham, quand il a voyagé de l'autre côté, ici dans la sixième dimension, au repos, quand il a rencontré les saints ici, il quitta ici. Il s'est retrouvé jusqu'ici. Quand il s'est retrouvé ici, il les a vus. Ils étaient dans de jeunes âges. Vous comprenez? Et tous. Il y a des gens qui l'avaient converti dans l'âge de 80 quelques années, vous voyez, 90 quelques années. Et tous étaient devenus de 18 à 22 ans. Et remarquez ce qui nous a intrigué et ce qui lui a intrigué aussi, ce qu'il nous disait, quoi que non. On s'embrassait avec des sœurs et des frères et il n'y avait pas de la sensation. Pourquoi? Parce qu'il était dans un corps qui était différent, le corps immortel qu'il était. Et comment maintenant ce corps puisse posséder l'immortalité? Voilà pourquoi nous avons pris ce sujet en parlant sur l'origine. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ce corps puisse revêtir l'immortalité?
Voilà. Donc, parce que nous avons trois corps, nous avançons avec ça. Mais prenons, tout, parlons d'abord de cet exemple parce que c'est très important. Vous allez voir que non, quand il était ici, ce qui se passe ici avec ce corps ici de chair, vous allez comprendre que non, j'ai vu quelque chose qui ne va pas. Ok, ça va. Il y a quelqu'un qui m'a dérangé de l'autre caméra là-bas. Il ne faut pas appeler, je suis en live. Veuillez vraiment m'excuser. Voilà. Donc, vous allez voir que non, quand on est ici dans ce corps de chair, vous comprenez, donc cela veut dire il y a de la sensation. Voilà, il y a des glandes sexuelles sur les lèvres. Il y a de la sensation au niveau du thorax féminin, donc cela veut dire de la femme. Ouais. Il y a de la sensation même dans la peau de la femme. Donc cela veut dire il y a une attraction qui se passe quand l'homme s'embrasse avec une femme. C'est pourquoi même le saint prophète nous a interdit, il a dit que tu ne peux qu'embrasser ta femme. Cela veut dire que tu ne peux pas embrasser la femme d'autrui parce qu'il y a des empreintes spirituelles. Cela veut dire qu'il y a des empreintes spirituelles ici dans le thorax d'une femme, même d'un homme, quand on s'embrasse. Vous comprenez? Il y en a aussi même dans le bouche, ainsi de suite. Voilà, donc ce n'est pas simplement que nous avons des empreintes ici. Il y a des empreintes un peu partout. Donc, cela veut dire que quand on s'embrasse, il y a une attraction qui se passe. Vous voyez? Donc, il y a des glandes sexuelles ici de l'œuvre. Ainsi de suite. C'est pourquoi il nous a quand même dit que non, tu ne peux embrasser que ta femme. Donc, tu ne peux pas embrasser une femme qui n'était pas la tienne. Donc, la sienne, c'est de l'impudicité, au fait. Donc, cela veut dire que ça attire une attraction en soi. Donc, mais ici, quand il est allé ici, comme il n'était pas dans ce corps ici, il avait abandonné son enveloppe charnelle et tendu là-bas sur le lit. Voilà. Donc, et quand il s'est retrouvé avec un corps qui était un corps immortel. Et les gens qui étaient ici, ils avaient déjà possédé des corps immortels. Et ce corps qu'ils avaient possédé ici, nous allons parler de la source, de l'énergie que nous devons accumuler en étant ici, sur cette terre, qui pouvait faire en sorte que nous puissions revêtir ce corps immortel, nous puissions posséder ce corps immortel, tant que nous sommes encore ici sur la terre. C'est pourquoi l'autre jour que nous avons parlé, que ce ne sont que ceux qui ont possédé ce corps-là immortel, ce sont eux qui n'auront pas les problèmes si ce qui est écrit dans la Révélation, donc dans le livre d'Apocalypse chapitre 20. Vous comprenez? Ils n'auront rien à voir avec le trône du jugement. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur parlait dans Jean 5, 24. Voilà. Donc, cela veut dire, ceux qui sont à moi, ils ne passeront pas au jugement. C'est ceux qui nous est, de cela veut dire, ils sont passés de la mort à la vie. Ceux qui croient à moi, ils croient à celui qui m'a envoyé. Vous comprenez, ils n'ont rien à voir avec la mort, ils passent de la mort à la vie. Donc, cela veut dire, la mort, c'est la condamnation. Et cette condamnation, ils n'ont rien à voir avec ça. Nous pouvons prendre aussi Romains chapitre 8, verset 1. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà, nous allons avancer avec ça. Vous allez voir que nous allons lire jusqu'au verset 9 et 11. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de la sensation? À cause du corps. Ouais, donc ce corps qui est né dans les péchés, conçu dans l'iniquité, donc ça veut dire né dans l'iniquité, conçu dans les péchés, c'est comme ça que cela est écrit, a été abandonné sur les lits et il s'est retrouvé avec un corps immortel et ce corps-là n'a rien à voir avec, vous comprenez, des organes, et cela veut dire du genre. Genre féminine ou genre masculine. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pourquoi, ici, dans le Gide, au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu, l'image de Dieu n'a rien à voir avec le genre masculine, n'a rien à voir avec du féminine et du masculine. Aussi, je peux être bref en ce point-là. Cela veut dire qu'il n'y a rien à voir avec des sexes. Vous comprenez? Donc, cela veut dire des histoires génitales qui font que non, qu'on puisse faire cette part dans ce corps-là. Vous voyez? Donc, c'est ça l'image de Dieu que l'homme possédait. Et ce corps-là, c'était un corps immortel. Voilà. Un corps qui ne connaissait pas de maladies, un corps qui ne connaissait pas de fatigue, comme tous ces saints que les saints prophètes rencontraient ici. Il a dit qu'ils étaient que dans la joie. Et là, ce qui régnait là-bas, ce n'était que la joie et l'amour parfait. Et ils ne faisaient que chanter. Vous comprenez, il n'y avait rien à voir avec la famine et toutes ces choses, la maladie.
Toute cette atmosphère du péché, il n'y en avait absolument pas dans cet endroit ici. Vous comprenez? Cet homme qui était créé, il a été créé à l'image de Dieu. C'était une âme immortelle. Voyez? Et maintenant, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit lui-même que l'âme qui peut, c'est l'âme qui mourra. Vous comprenez? Comment est-ce que cette âme meurt? Voilà. Pourquoi? Parce que cette âme a perdu son immortalité ou quand Dieu forma. Oui, parce que l'âme réside dans un corps, dans une enveloppe. Vous comprenez, cette enveloppe, c'est cette chair ici que vous voyez. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc vous voyez, m'excusez. Voilà, donc c'est ça. Donc, cela veut dire, ce corps réside sur une enveloppe. Et cette enveloppe, c'est ce que Dieu forma sur les 16 éléments. Voilà, donc, le saint prophète dit que quand Dieu forma l'homme, il lui a formé avec les 16 éléments qui se retrouvent sur la terre. Nous pouvons citer le pétrole, le zinc, le magnésium, la lumière cosmique, le potassium. Nous avons le et le quoi, lithium et lithium. Et nous avons, il y a 16 éléments qui composent ce corps ici. Et ce corps était attaché à la terre. Vous comprenez? Le saint prophète dit que non, c'était comme, donc cela veut dire, les muscles de ce corps étaient comme les racines des arbres. Il était attaché à la terre, il n'avait pas de forme. Vous comprenez? Et maintenant, quand Dieu forma ce corps et puis donna ça la forme, attaché à la terre avec des muscles comme des racines, ainsi de suite, l'éternel Dieu souffla. Vous comprenez? Donc cela veut dire, la puissance de ce corps immortel, Dieu l'a introduit dans sa... Dans ce corps-là, remarquez, la Bible dit, quand Dieu souffla sur ce corps, l'homme devient une âme. La Bible n'est pas dit que non, n'a pas dit que non, l'homme est devenu un corps vivant, non. La Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Vous comprenez? Cela veut dire l'âme immortelle que Dieu créa dans l'origine. Vous comprenez l'origine de ça? Donc, ça veut dire de l'authenticité de la création, c'était cette âme qui avait la ressemblance et l'image de Dieu. Dieu a pris cette âme-là par le souffle par qui il a prononcé son attribut de son Fils qui était en lui. Il cria dans son image à sa ressemblance et il souffla dans ce corps qui était étalé sur la terre là-bas, comme un arbre avec des muscles ainsi de suite, mais avait la forme. Vous comprenez que nous avons ici, mais attaché à la terre. Et la Bible dit que non, quand Dieu souffla, l'homme est devenu une âme vivante. Cela veut dire qu'il y avait une vie immortelle. Cette âme immortelle est venue s'introniser ou habiter dans cette enveloppe charnelle. Est-ce que vous comprenez? Et quand l'homme est venu habiter dans cette enveloppe charnelle, cet homme-là, il était un homme immortel, vous comprenez? Donc, dans la chair. Adam, comme il était là, quand Dieu lui a formé dans le jardin d'Éden, il fit un homme immortel. Je vois encore quelqu'un qui m'appelle de l'autre côté. Vous comprenez, j'utilise des caméras. Vous allez m'excuser que je puisse couper ça de l'autre côté pour mieux avancer. Voilà. Et nous avons vu que non, le Seigneur Dieu, dans son amour, il a créé l'homme pour ne pas mourir. Vous comprenez? Il fallait qu'il puisse vivre longtemps et demeurer comme la promesse qui nous a été donnée après, vous comprenez, tout ce qui va se passer dans Apocalypse chapitre 20. Et nous allons voir que dans Apocalypse chapitre 21, l'épouse va revenir ici et habiter sur cette terre parce que quand Dieu créa la terre, il a dit que tout est bon. Ça veut dire que ce qui est parfait ne peut pas disparaître pour toujours. Ouais. Et nous avons vu que non, cet homme-là, qui était dans ce corps, Adam, il était un immortel. Qu'est-ce qui faisait que cet homme était immortel? Parce que pendant tout ce temps qu'il demeurait dans la volonté parfaite de Dieu, dans la volonté parfaite du Père, vous comprenez, il gardait les commandements, les préceptes, le statut, les ordonnances, les lois de l'Éternel, les cinq, vous comprenez, comme cela est écrit dans le psaume 19, vous allez voir que non, et nous avons vu que cet homme-là, il fut un homme immortel. Et mais quand le malin est venu, voilà,
Et quand le malin est venu, donc on dit que quand le malin s'est introduit, en venant avec une mauvaise interprétation des Écritures, en disant quelque chose du mensonge, en rendant l'Église, la femme qui était sortie de l'homme, la partie féminine. Vous comprenez? Quand cette partie féminine était sortie, c'est ce que j'avais voulu parler, j'ai sauté un peu, vous allez m'excuser. Que je retourne un peu là-bas, parce que quand on parle ici, il y a d'autres personnes qui se posent un peu des questions, mais tu as dit que non, quand l'homme a été créé, et il n'y avait pas toutes ces histoires qui font partie du genre masculin et du genre féminin. Et maintenant, comment est-ce que tu nous parles directement? Non. Quand l'âme est créée, ce corps immortel n'a rien à voir avec des histoires sensationnelles, sexuelles, qui font partie avec les cinq sens de ce corps ici, qui se combine avec l'imagination pour apporter quelque chose dans l'homme, afin qu'il puisse avoir une excitation, la colère, les émotions, des angoisses, ainsi de suite. Vous comprenez, c'est un peu différent. Mais maintenant, quand le corps ici a été formé avec toutes ces parties-là, vous comprenez, les parties génitales, féminines et masculines, mais ils étaient inconscients, vous comprenez, c'était dans la dispensation de l'inconscience. Donc, vous savez, ils n'avaient rien à voir avec, vous comprenez, c'est l'angoisse, les émotions, des sentiments, des raisonnements, des réflexions, ainsi de suite. Parce que l'homme ne pouvait pas utiliser ces cinq sens ici de la manière nous les utilisons, et cela nous amène dans le mal, comme les malins s'est introduit. Vous comprenez, quand il imaginait, dans ce temps-là, quand il était, tout était parfait parce qu'il était un être immortel avec le corps parole qui ne pouvait raisonner que selon la divinité. Vous comprenez, il devait raisonner divinement parce qu'il n'y avait rien de souillé en lui. Il était une créature parfaite, vous comprenez, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Maintenant, quand le malin est venu, il voyait que non, je devais partir par l'Église parce que l'Église est sortie d'eux, la femme est sortie d'eux. Et comme elle était sortie de, donc cela veut dire la partie la plus puissante était absente, qui était l'homme, de là où qu'elle était sortie, quand elle était restée seule, incomplète, comme une église qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit, qui n'amène pas les gens dans le baptême du Saint-Esprit, le diable peut prendre possession de cette église à n'importe quel moment, n'importe quel temps, s'il est à sa disposition, comme Ève qui s'est retrouvée seule. Abraham dit dans la semence du serpent que non, quand vous allez visiter une sœur que son mari n'est pas là, ne restez pas là, saluez et sortez de peur que le diable puisse vous comprendre déjà. Alors nous avons vu que quand Dieu forma, c'est à ce moment qu'il a formé ce corps ici avec toutes ces parties-là. Vous voyez? Et quand Dieu l'a formé, et nous avons vu que non, je pars dans les détails pour que les gens qui posent souvent des questions puissent comprendre ça. Et le malin s'est introduit dans l'église, comme on a été parlé de ça, et il a fait quoi? Il les a amenés dans la séduction par la femme qui était sortie de l'homme. Vous comprenez? Et la femme s'est laissée parce que le diable a utilisé son œil cochléaire par l'audition pour la séduire. Par quel moyen? Par les cinq sens de ce corps-là, menés par le raisonnement. Vous comprenez? Et elle a commencé à raisonner parce qu'elle a utilisé le sens de Louis. Et Louis l'a ouvert la porte des raisonnements et elle a commencé à raisonner sur l'insidie dit le Seigneur. En raisonnant jusqu'à tel point, cela l'a amené sur des émotions et cela a fait naître les sensations. Et les sensations l'ont amené à la chute. Et quand elle a tombé, son mari aussi s'est approché d'elle. Vous comprenez? Après un certain temps, elle a vu que non, sa femme a perdu l'état originel. Vous comprenez? Donc cela veut dire, ce qui était lui, sa femme l'a perdu. Mais comme, à l'exemple de Christ, elle ne pouvait pas abandonner sa partie féminine parce qu'elle était sortie de lui, lui aussi accepta de commettre le même péché avec sa femme et cela a fait en sorte que non, l'homme immortel, le vrai homme que le Seigneur Jésus-Christ dit que l'homme ne vit pas simplement du pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est l'âme là était aussi, a perdu aussi son immortalité. Vous comprenez cela? Et nous avons vu que non, en lisant avec vous dans les livres
d'Apocalypse chapitre 20, les Écritures disent clair, nous allons lire ça le dimanche prochain, que non, comme le Seigneur dit lui-même, pour ne pas lire ça, voilà. Bref, prenons simplement ce que le Seigneur avait dit, que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Vous comprenez? Comment est-ce que l'âme pêche? Par les moyens de ces cinq sens, de l'esprit et de ce corps. Ici, si ça se combine sans l'influence céleste, qui est, donc cela veut dire qui est dirigé par la parole bien interprétée, cela fait en sorte que cette âme-là pêche. Pourquoi? Parce que l'âme-là abandonne le Créateur, abandonne les ainsi dit le Seigneur, refuse le Saint-Esprit comme les gens ont refusé le Saint-Esprit aujourd'hui. Alors que la restauration que nous allons parler, nous allons terminer par là, le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, donc cela veut dire l'importance d'avoir le Saint-Esprit. C'est à cause de ce que l'homme a perdu dans sa chute ici. Nous avons compris l'origine de l'homme, ce qu'il était au commencement, il était Dieu. Vous voyez? Parce qu'il était le Fils de Dieu, créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et le malin, comme il a été chassé, descendant ici, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu asséquer qu'un homme qu'il puisse amener l'homme à transgresser ce que le Père avait dit. Et il a reçu de le faire, et cela fait en sorte que la vie mortelle a pris place. L'homme a perdu son origine. Vous comprenez? Et cet homme-là, il était maintenant censé de rester condamné sur la loi de la pesanteur. Alors que cet homme qui a été créé ici au commencement, quand Dieu a pris ce corps de la création, ce corps immortel, l'âme, il a mis ça dans ce corps, dans cette enveloppe charnelle ici. Cet homme-là qui était composé de ces 16 éléments, remarqué parmi les 16 éléments, il avait lithium et lithium. Vous comprenez? Alors, le deux éléments parmi les 16 qui étaient dans l'homme lui permet, même l'homme pouvait faire des déplacements sans utiliser des automobiles qui amènent la pollution qui nous tue aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que la science qui nous tue aujourd'hui, le diable les a introduits. Pourquoi? Parce que c'est que l'Éternel Dieu a pourvu que nous puissions vivre une vie pure, sainte, parfaite. Ouais, donc nous pouvons vivre dans la perfection. On ne pouvait pas avoir toutes les histoires ici que la science nous a amenées, qui nous tue, qui nous amène des cancers et beaucoup de maladies. Vous comprenez, qui se naissent avec même des histoires. Vous comprenez, quand on est des fois avec mon frère, le médecin, il me dit que non, il ne faut pas prendre beaucoup ces produits ici, même l'antibiotique, parce que chaque produit de la médecine détruise. Si vous avez pris ça pour cela, veut dire c'est quelque chose qui a échoué. Comment quelque chose, si on peut dire ça, en quelque chose qui guérit ou soit qui fait en sorte que nous puissions retrouver la force ou quelque chose comme ça, si vous prenez ça, donc et il y a des verbes qui se sont nés au tout et tout excès nuit au tout ainsi de suite. Vous comprenez? Alors bref, l'homme là n'était pas censé d'utiliser les choses pour son déplacement, les choses de la science qui ont échoué complètement, des avions, des bateaux, des véhicules, ainsi de suite, qui nous détruit complètement. Non, l'homme n'était pas censé d'utiliser ça. Vous comprenez? Parce que dans ce corps, quand Dieu l'a formé sur les 16 éléments que Dieu avait mis dans ce corps, il y avait lithium et lutétium. Vous comprenez? Ces deux éléments qui étaient dans l'homme lui permet, vous comprenez, donc il n'avait rien à voir avec la loi de la pesanteur. Vous comprenez? Donc cela veut dire qu'il n'avait rien à voir avec ça. Il pouvait monter, aller là où il pouvait aller et retourner. Il pouvait aller visiter de l'autre côté des rives et revenir. Il pouvait aller voir là où il y a des lions, vous comprenez, sans utiliser de véhicule ou quoi que ce soit. Parce qu'il avait ces éléments complets, les 16 en lui. Et comment est-ce qu'il a perdu ces deux éléments très importants? Vous comprenez? Et d'autres lumières qui étaient en lui, que le malin lui a ravi, c'est quand il a mal interprété les Écritures en écoutant son Église, comme nous écoutons nos Églises, au lieu de s'abandonner à la parole. Nous sommes encore des membres des Églises, au lieu d'être des membres dans le corps mystique de Jésus-Christ pour notre enlèvement. Je pense que je vais m'arrêter parce qu'il n'y a pas vraiment assez de temps. Vous allez m'accorder juste 4 minutes. Pour terminer, parce que je regarde mon temps par rapport au temps que j'ai commencé ici. Voilà, nous sommes vraiment
ravi de nous retrouver ensemble ici. Voilà. Donc, vous allez comprendre que non, on ne pouvait pas mourir sans pour autant qu'on puisse transgresser. C'est à cause de la transgression, la mort s'est introduite, la condamnation a pris place. Et toutes ces choses ont pris place comme la maladie, la jalousie, la haine, et tout ça, tout ce qui s'en suit, a pris place à cause de quoi? À cause d'une mauvaise interprétation des Écritures. Et maintenant, quand on amène la Bible qui n'a pas été écrite dans la pensée humaine, Dieu a utilisé des instruments pour écrire sa pensée, mettre ça dans le papyrus, vous comprenez, dans ce livre sacré, et les hommes commencent à ajouter leur pensée, à retrancher ce qui est écrit. Voilà ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et ce qui fait en sorte que l'écriture que le Seigneur avait dit, l'âme qui paie, c'est l'âme qui mourra, prit place. Vous comprenez? Cette âme ne peut plus revêtir l'immortalité. À cause de quoi? Parce que la seule chose qui pouvait faire en sorte que vous puissiez retourner dans votre originalité, c'est quand le Saint-Esprit vous convainc, vous comprenez? Donc cela veut dire vous convainc, cela veut dire vous rend témoignage en soi-même que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est lui le Saint-Esprit de Dieu par la révélation de la parole. Et sans la révélation, si cela simplement vient d'une connaissance théologique ou humaine, cela est difficile que cela puisse vous donner une naissance qui fera en sorte que non, vous puissiez retourner à votre condition originelle ou soit état, voilà les mots là, à votre état originel que vous étiez, que les Écritures disent, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Laisse-moi lire quelque chose que j'avais préparé ici pour vous. Voilà. Nous allons lire ça rapidement et nous allons terminer. Et continuer cela le dimanche prochain parce que c'est très profond. Voilà. Après la mort, l'homme continue à vivre. Car il a un corps. Voilà. Comme les Écritures nous disent, si cette tente que j'habite ici se détruise, j'ai un autre corps, une autre tente qui nous attend. Voilà, on avance. Parce que nous avons le corps mortel. Ce corps mortel qui naît des désirs que le malin a commencé. Cela veut dire par les moyens de sexe. C'est ce que lui, il a venu introduire. Parce que le Seigneur a interdit jusqu'à tel point que lui, il a voulu que nous ne puissions pas connaître le mal, mais vivre toujours dans le bien. Mais il nous en a avertis. Mais il a permis d'autres choses à cause de ses attributions. Là, nous allons parler de ça sur la restauration. Parce que le titre est là, vous savez, l'origine, la chute et la restauration. Disons, ce corps, maintenant, a revêtu l'immortalité. Pourquoi? Parce que l'âme qui avait l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, a perdu quelque chose. Et le corps ici a été souillé, déchu. Vous comprenez? Dépourvu. Nous avons le corps mortel, le corps immortel, l'âme, et nous avons le corps glorifié. Le 3, ça veut dire l'esprit, qui sort du trône. Voilà. Et nous avons vu que non, l'autre fois, quand nous vous parlons toujours que non, quand nous étions venus ici dans le monde, nous avons contourné nos théophanies. Ça veut dire la voie pourvue par Dieu, c'était de rester sur son insidie, afin que nous puissions venir ici dans ce monde sans contourner nos corps-paroles. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur, dans Jean 14, il nous a dit que nous puissions nous réjouir, qu'il aille chez le Père, parce que c'est livre de propriété incontestable. Vous comprenez, de lui, l'arbre de vie qui s'est retiré ce jour-là et Adam était resté là comme un animal, a revêti l'image animale qui est la marque de la bête qu'on vous parle aujourd'hui, qui se sont introduits dans toutes les églises qui ont rejeté le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, au fait, c'est la parole révélée du jour. Est-ce que vous comprenez? Voilà, nous avançons. Et nous avons vu que ce corps, voilà, que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Il y a beaucoup de choses qui me viennent en même temps. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons vu que non, cet homme-là, qui était dans le jardin, il n'était pas censé mourir. Ce qui a amené la mort, c'était la transgression de la parole de l'Éternel. Et cette parole-là, c'est ça Dieu, c'est ça la vie éternelle. C'est ça le Saint-Esprit, comme l'agneau et la colombe.
Vous comprenez? Donc voilà, on avance ici pour nous faire revenir à ce qu'on était en train de parler ici. Donc, le corps glorifié comme Père, Fils, Saint-Esprit, comme justification, sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, cela veut dire, c'est la même chose, justification, c'est cette enveloppe, sanctification, l'âme, et le baptême du Saint-Esprit, c'est le corps, parole. Il y a quelqu'un qui me dérange de l'autre côté, vous allez m'excuser, parce qu'on est censé de continuer avec tous les deux côtés que nous avons mis le record. Voilà, on est là. On est là parce que il y a pas d'autres personnes qui ne savent pas que le soir on devait être là parler de la vie. Bon, vous allez les excuser et je pense qu'ils vont aussi présenter leurs excuses à nous qui sont à cette disposition parce qu'on devait se rendre à l'hôpital. Il y a un frère qui est malade. Voilà, il y a un frère à moi qui est malade. Voilà, nous avons vu que non, il y a la justification qui est ce corps et la sanctification qui est l'âme. Il y a le baptême du Saint-Esprit qui est le corps parole que nous étions venus ici par le moyen des sexes. Psaume 51. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La vérité, c'est Dieu. Le baptême du Saint-Esprit qui devait venir pour te ramener à ton corps immortel. Vous comprenez? Enfin que ce corps ici qui écoute la parole, voyez, qui se serve de ce nerf cochléaire, l'audition, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole bien interprétée, la parole révélée du jour. C'est ce qui fera en sorte que vous puissiez revêtir l'immortalité et revenir dans votre état originel que vous étiez vous étiez dans cet état avant la chute, sans pour autant que vous puissiez retourner dans votre originalité, vous serez une âme morte. Comme le Seigneur dit que l'âme qui paie, c'est l'âme qui mourra. Et la seule chose qui pouvait nous aider maintenant de passer cette chute, parce que le Seigneur est venu, il a payé le prix à la croix de Golgotha, nous allons nous limiter ici. C'était pourquoi? C'était pour que nous puissions vaincre cette chute et vivre dans cet état originel, parce que c'est ça la vie éternelle, parce que c'est de là, dans l'originalité, dans Genèse chapitre 1er, que Dieu prononça la parole, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous comprenez? Cet homme-là, parfait, qui avait l'image de Dieu, voilà, c'est ça le corps que nous parlons, un corps immortel. Et maintenant, quand le Seigneur forma cette enveloppe de chair, ce corps que nous vivons, qui mange le pain, voilà, qui prennent de la nourriture, du légume, du foufou, ainsi de suite, ce corps est devenu immortel quand la parole a été brisée. Comme les gens brisent les écritures, c'est ce qui fait que le Seigneur dise que l'âme qui peut, c'est l'âme qui mourra. Et maintenant, l'âme qui restera en vie, c'est cette âme qui marche selon l'insidie de l'Éternel, comme ceux qui ont marché dans la marche de l'Égypte, qui ont resté avec la parole, ils ont possédé le pays de la promesse. Et le monde que nous quittons, si nous avons encore des œuvres de ce monde, le fruit de ce monde, la vie de ce monde est encore en nous, cela veut dire nous aimons l'Égypte et c'est difficile, nous allons périr dans le désert, dans cette marche. Si vous comprenez, alors que nous sommes censés de rester et de s'attacher à la parole pour posséder le pays de la promesse. Vous comprenez le Canaan, de l'exemple que Dieu les a appelés par Abraham, de Jacob, formant les 12 tribus, c'était pour que cette même marche que nous avons vue avec eux, dans le physique, dans le spirituel, c'est la même chose. Mais maintenant, quand les gens rejettent ce que les saints prophètes nous ont amené, remarquez ce que Père Abraham répondait à Lazare. Il n'a pas dit quelque chose, il a dit, il y a Moïse et les prophètes. Donc, cela veut dire le Père Abraham répondait aux riches qui étaient dans le tourment, ici dans l'enfer. Vous comprenez? Il ne lui a pas dit autre chose. Il a dit, il y a Moïse et les prophètes. Ça veut dire, il y a les prophètes qui viennent avec l'ainsi dit le Seigneur dans chaque temps. Et remarquez, et dans Psaume 106, qu'ils ont rejeté l'ainsi dit le Seigneur. Ils n'ont pas hérité le royaume. C'est de 40 ans, 40 années qu'ils ont vécu là-bas, toute cette génération des incrédulités qui ont
à mélanger leurs pensées avec la pensée de Dieu, la théologie et toutes ces choses. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Le diable a amené la théologie là-bas. Et c'est ce qui a fait en sorte que non, ils étaient péris tous dans le désert. Et cette nouvelle génération avec Josué et Caleb, ce sont eux qui ont possédé le pays de la promesse. Vous comprenez? Et ils ont revêtu l'immortalité. Ça veut dire ton âme ne peut revêtir l'immortalité. Te ramener toi-même à l'originalité si tu as reconnu ton message, vous comprenez, dans ton temps. Tu as reconnu ton identification dans le corps mystique de Jésus-Christ. Mais si tu es encore un membre dans une église quelconque qui a été commencée par un humain, tu es toujours là, resté borné sur des miracles. Dans ta vie, tu es toujours là, chercher Nzamba Lobelangai. Na lingi na yoka, na lingi boye. Sache-le que tu es encore un bébé spirituel, ton âme mourra. Ouais, parce que ton âme est encore péché parce que tu as les yeux fixés vers cet homme-là qui est incapable de communiquer en toi le baptême du Saint-Esprit parce que lui-même, il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Simplement, il a simplement la connaissance théologique ou soit la connaissance de ce que le Saint-Prophète a prêché, des brochures, ainsi de suite. Mais en lui-même, il n'a absolument rien. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui est un bon Éphésiens 4, un bon auxiliaire du prophète, il cherchera à tout point d'amener l'église, le membre là dans le corps mystique de Jésus-Christ. C'est ça, amener les gens dans la perfection. C'est ça la restauration que nous allons parler avec ça. Continuons ici. Quand l'âme quitte ce corps, elle part dans le repos, dans un corps qui aura la silhouette de ce corps ici. Vous comprenez? On avance, on va expliquer ça le dimanche prochain. Et nos bien-aimés qui sont passés de l'autre côté, ils ont des corps et les corps ont les silhouettes de ces corps. Cela veut dire les corps immortels. Ici, ils sont passés ici de l'autre côté, dans la sixième dimension, dans le repos, parce qu'ils ont déjà reçu le repos ici qui est le Saint-Esprit. Parce que Dieu créa pendant 6 jours, le septième jour, il se reposa. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. Et ces corps-ci auront la même apparence qui est ici bas. Et maintenant, c'est que la révélation, le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, dit que non, la mer rendra ses corps, la terre rendra ses corps, tous les gens que nous enterrons, vos corps, vous l'aurez. Je vais vous parler de ça dans le dimanche prochain et je vous donnerai l'exemple de certains films, comment on montre des corps de morts, se lèvent pour aller peut-être combattre, mais quand on tire sur ses corps, quand on tire, il y a quelqu'un qui me dérange ici, vous allez me citer. Quand on tire sur ce corps-là, vous allez remarquer que ça devient de poussière. Mais un corps qui a revêti l'immortalité, en commençant par son âme qui se nourrit de la parole, vous allez voir que ce corps ici va aussi changer, comme les Écritures disent que non. Vous comprenez, si quelqu'un est en Christ, le corps est mort à cause du péché. Voilà. Donc, si l'esprit, pardon, ça c'est Romains 8 que j'ai dit que je vais lire le dimanche prochain. Mais ce que je voulais dire, c'est si quelqu'un est. Nous disons ça souvent ici, que non. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. C'est toujours par cette parole que nous écoutons. Et si cette parole est vraiment bien interprétée, si c'est vraiment un auxiliaire du prophète, un vrai Éphésiens 4, cela veut dire les 5 ministères des Éphésiens 4, il est là bien placé pour vous communiquer la parole, parce que la seule chose qui nous sauve, c'est la parole. Parce que quand Dieu créa au commencement, il a prononcé lui-même la parole. La grande attribution de Dieu, c'est lui-même. Et c'est par lui, par elle qu'il... Il a créé cette âme immortelle et la mort s'est introduite et l'âme devient une âme mourante à cause de quoi? D'une mauvaise interprétation des Écritures. Si nous prenons position à la parole, je vous dis franchement, nous n'allons pas mourir. En effet, nous pouvons voir nos bien-aimés, mais nous ne pouvons pas les toucher. On avance, on va parler de ça. Mais ensuite, quand ce corps-là, ce corps céleste-là revient sur terre, il reprend il reprend la forme dans laquelle il avait vécu auparavant. C'est là qu'il devient encore glorifié. Et ce corps-là, c'est le corps dans lequel nous verrons notre Seigneur Jésus
avec son corps ressuscité. Nous allons continuer le dimanche prochain. J'ai simplement lu, je n'ai même pas lu 2 Pierre et 1 Pierre chapitre 3. On devait commencer de lire, non, j'avais dit ça, verset 18 jusqu'à 22. Et vous allez comprendre tous ces mystères ici. C'est le moment de s'abandonner à la parole. Cesser nos futilités, cesser nos sentiments ecclésiastiques. Si un serviteur de Dieu se tient derrière la parole, il a le souci des âmes des gens qui sont devenus des âmes immortelles. Il faut que ça puisse revêtir l'immortalité. Il faut qu'il cherche la source révélée d'aujourd'hui. Parce que c'est là que se cache la puissance qui nous immortalise. Vous comprenez? Ce qui change nos états et que nous avons, que nous sommes venus avec ça sur ce monde ici, comme David pleure dans le psaume 51, disant: je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'aucun puisse périr, que nous puissions arriver à la repentance, que nous puissions naître dans le royaume et être des membres à part entière dans le corps du Christ. Voilà. C'est pourquoi Frère Branham, en terminant son ministère, il a dit: voici l'époux, allez à sa rencontre. Et un bon Éphésiens 4, un bon serviteur de Dieu ne peut pas garder les gens dans ces quatre murs de son ensemble, dans son amphithéâtre, comme on vous garde là-bas. Quelqu'un qui se tient là-bas parle de ses richesses au lieu de vous communiquer le Saint-Esprit. Quelqu'un parle là-bas que j'ai des grandes relations, j'ai ceci, il vous parle que non, ce n'est pas à vous que non. Donc, je n'arrive pas à comprendre ça. Tu es venu là-bas que parler de la parole. Et quand on voit les gens qui font des plaintes, il n'y a rien qui peut faire en sorte que non, les gens là qui viennent là-bas puissent recevoir quelque chose de surnaturel qui doit changer leur vie pour qu'ils puissent ressembler à Christ. Lui, la parole, par les corps paroles qui sont du trône, les corps théophanés, afin qu'ils puissent revêtir l'immortalité, retourner à leur originalité, passer la chute et atteindre la perfection, qui est l'étape de la restauration complète. Que Dieu vous bénisse, restez dans la paix du Seigneur, je vous aime, vraiment, les matières sont là, mais le temps est peu. Je vous laisse le temps d'écouter ça et de réécouter encore, et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, le soir encore, nous allons continuer avec ça. Je pars prier pour mon frère, de visiter et visiter d'autres personnes. On prie aussi pour tout le monde, où vous êtes. Attention avec les enfants, il y a des mauvais plans, des mauvais projets. Vous avez vu l'exemple là-bas, dans les Jeux Olympiques. Vraiment, soyons prudents. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime beaucoup. Priez pour moi aussi. Shalom. Bye bye.